Lundi, c'est la Chandeleur. Vous savez ce que c'est? C'est la fête des crêpes en France. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des crêpes. D'accord? D'après ma recette. Très bonne. Bon, voilà les ingrédients que nous allons utiliser. Venez voir. Nous avons des œufs. Il nous en faudra 6. Nous avons du beurre. Du beurre, si possible français, bien sûr. Pas de margarine. D'accord? Du beurre. Nous aurons aussi besoin de sucre, je vous dirai les quantités après, et du lait. D'accord? Bien entendu, il nous faudra de la farine et un petit bout de coton. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. D'accord? Un petit peu d'huile. Et voilà. Il reste une dernière chose, c'est le petit secret des crêpes à la Thomas, du Porto, pour donner un petit goût. Voilà. Nous allons maintenant aller voir les ustensiles de cuisine que nous devrons utiliser, d'accord? Allez, on y va. Bon, bah, on continue notre explication. Voilà les ustensiles de cuisine que nous devons utiliser pour faire les crêpes. En principe, nous avons besoin d'une spatule pour renverser les crêpes, d'accord? Nous avons besoin d'un râteau à crêpes. Ça, c'est un râteau à crêpes. À quoi ça sert, un râteau à crêpes? Regardez, ça sert à étaler la crêpe au début. Vous allez voir ça après. Il nous faudra un plateau pour mettre les crêpes. Un saladier aussi. Un mixeur. Un verre doseur pour voir les quantités en grammes et en litres, etc. Bon, en litres, en centilitres. Et finalement, il nous faudra une poêle. Normalement, on peut utiliser une poêle normale. Mais moi, je vais utiliser ma poêle électrique qui est bien meilleure pour faire des crêpes. Vous allez voir, ça va faire des crêpes énormes. D'accord? Bon, en principe, je n'ai rien oublié. On peut commencer à faire nos crêpes. Bon, bah, on va continuer, d'accord? On va faire le mélange maintenant. Alors, nous allons prendre ce saladier énorme et nous allons y mettre 1 litre de lait. D'accord? Alors, nous allons mesurer. Pas 500. Et 1 litre. Voilà. Maintenant, nous allons y mettre 6 œufs. D'accord? Alors, on casse les œufs. Sur le bord du saladier. Le troisième œuf, quatrième, cinquième, et sixième. J'ai un peu raté mon coup. Bref, je vais me laver les mains et je continue. Maintenant, il nous faudrait 100 g de sucre. Alors, nous allons mesurer 100 g de sucre. Oh, attention. Voilà. 100 g de sucre que nous allons ajouter au mélange. Et maintenant, nous allons ajouter aussi la farine.
Alors, pour la farine, il nous faudra 500 g de farine, d'accord? Alors, nous allons... attention, la farine, cacao, riz, farine, voilà. Alors, pour 500 g de farine, c'est à peu près 2 verres doseurs. Premier verre. Et deuxième verre. Un petit peu plus. Voilà. Dans la pâte à crêpes, nous allons y ajouter aussi un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Alors, on va profiter de notre verre doseur pour ajouter l'eau. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons essayer de défaire 100 g de beurre, le rendre liquide. D'accord? Alors pour cela, nous allons prendre donc les 100 g de beurre que nous allons couper. D'abord, 100 g de beurre, c'est à peu près la moitié de cette plaquette de beurre. Nous allons chauffer et nous allons attendre que le beurre soit liquide. D'accord? Alors je vous revois dans 5 minutes. Bon, le beurre a fondu. Nous avons maintenant le liquide. D'accord? Du beurre fondu. J'ajoute à la pâte à crêpes. Voilà, je l'ajoute donc au mélange. Et maintenant, je vais mettre aussi 2 pincées de sel. Ok? Du sel. 1 et 2. Mesdames et messieurs, voilà notre pâte à crêpes prête pour faire des crêpes. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Il faudra mixer la pâte à crêpes. D'accord? Alors pour cela, nous allons prendre un mixeur, d'accord, et nous allons mixer la pâte à crêpes. Alors, on revient dans 5 minutes. Salut. Bon, ben voilà, le mélange est prêt. Vous voyez la texture, ça doit être assez liquide, d'accord? Mais il nous manque quelque chose. Attendez. Nous allons y ajouter un petit peu de Porto, juste pour donner un peu de goût. Alors, on ajoute un petit peu de Porto dans la pâte à crêpes. Et voilà, le tour est joué. Nous pouvons commencer à faire nos crêpes. D'accord? Alors on va y aller. Bon, ben voilà, on continue. Notre poêle est presque chaude. Alors, le petit secret maintenant, c'est prendre un peu d'huile, en mettre sur le coton. Hop. Et passer notre coton sur la poêle. Pour que les crêpes ne se collent pas, d'accord? Voilà, c'est chaud, c'est prêt. Bon, ben, nous sommes prêts pour commencer à fabriquer notre première crêpe, d'accord? Alors, on prend la louche. Attention, je n'ai pas parlé de la louche tout à l'heure, j'ai oublié. C'est un des instruments, un des ustensiles qu'on utilise pour verser notre pâte à crêpes sur la poêle, d'accord? Alors, on verse le liquide et avec le râteau à crêpes, on étale
maintenant, avec la spatule, on va essayer de la retourner, d'accord? Alors, il faut attendre un petit peu, et dès que la crêpe commence à être cuite, on introduit la spatule en dessous. Vous voyez comment ça passe? Voilà, et on la retourne. On s'aide un petit peu avec les doigts, excusez-moi, mais c'est comme ça. Voilà notre crêpe qui est presque faite. Presque terminée. On regarde en dessous pour voir si elle est prête. Terminée. Presque terminée. Voilà. Nous allons la retourner une deuxième fois pour voir. C'est parfait. Alors, notre crêpe. On la met sur le plateau. Sur la grande assiette. Et maintenant, nous allons y ajouter du sucre par-dessus. Voilà le résultat. D'accord? Les crêpes. On peut y ajouter, bien entendu, du chocolat, de la crème chantilly, par exemple. De la confiture de groseille, de la confiture de n'importe quoi, d'accord? Et puis, on peut aussi y ajouter une autre liqueur différente que le Porto, d'accord? On peut y mettre du Grand Marnier, enfin, des liqueurs comme ça. Bon, mais ça, ce sont des crêpes sucrées. On peut aussi faire des crêpes salé, bien entendu. Alors là, on peut y mettre du jambon, du fromage, etc. D'accord? Alors normalement, on mettrait là-dessus le jambon, le fromage, on refermerait notre crêpe et on en ferait une espèce de sandwich de crêpe avec le jambon fromage. D'accord? Bon, moi, je fais des crêpes sucrées, c'est bien meilleur. Voilà donc la première et le résultat. On se reverra tout à l'heure quand j'aurai terminé mon plateau. D'accord? Bon, on va essayer de faire la cinquième crêpe. Alors, voilà le liquide, le mélange. Regardez comment on fait exactement. On fait tourner pour c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec ce machin-là, non? Alors on attend un petit peu que ça cuise. Il faut attendre au moins 30 secondes, une minute. On essaie comment on commence à décoller les rebords. On passe par-dessous la spatule. Pas encore prête, il faut attendre. On décolle. Une belle jolie crêpe. Bon, ben je pense qu'elle est prête. Voilà. Retourner pour voir. Alors, on y va. Voilà, une jolie crêpe bretonne. Presque terminée. On va la mettre dans le plateau. Voilà. On va y mettre le sucre. Et on continue. Bien, on a presque terminé. Vous voyez les crêpes? Regardez les crêpes. D'accord? Bon. Ça, c'est la dernière crêpe. Je vais la retourner. Et maintenant, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est capable de faire des crêpes meilleures que les miennes. Je vous attends. Salut! Et bien voilà, nous avons terminé. Regardez le résultat des crêpes de Thomas.
maintenant, le moment est venu de la dégustation. C'est le meilleur moment, bien sûr. Alors, je vais goûter ma crêpe. Attendez. Voilà le résultat. Que c'est bon !